Bonjour, je me présente, je suis Pascal Borel, chef du restaurant Le Fanal à Bagnols-sur-Mer. Je vais vous préparer aujourd'hui une recette de tartare de poisson de la pêche locale de Bagnols-sur-Mer avec une crème émulsionnée de concombre et lait de coco au citron. Cette recette sera accompagnée d'un Côte-du-Rhône, Barton et Gastier. Les vins des Côtes-du-Rhône sont des vins simples à découvrir et faciles à aimer. Principalement rouges, ils sont puissants et ronds, francs et plaisants. Destinés à de nombreuses alliances gourmandes, ils développent des arômes subtils de fruits, du bouquet de fruits frais, fraises, framboises, aux fruits noirs bien mûrs. Pour cette recette, nous avons besoin de poissons, donc aujourd'hui de la pêche locale de Jean-Marc et Henri, à Bagnols-sur-Mer. Donc de la bonite, du bar, de la dorade, de la Saint-Jacques, des œufs de truite, un citron, un demi-oignon des Cévennes, de la ciboulette, du concombre, du lait de coco, un petit peu d'huile d'olive, sel et poivre du moulin. Nous allons commencer par lever les filets des poissons. Nous allons prendre un morceau de filet de dorade, un morceau de loup, on va enlever la peau. Voilà pour le loup. Nous allons faire pareil pour la dorade. Enlever la peau. Prendre des lanières de filet. Faisons attention de ne pas prendre le centre du filet où il y a les arêtes. Pour la recette, nous aurons besoin de 3 Saint-Jacques, que nous allons découper tout à l'heure, et un morceau de filet de bonite. Alors on fait en sorte de lever le filet sans percer la poche intérieure ou tous les... pour donner un petit goût amer. Donc là aussi, nous allons prendre un petit peu de bonite. Nous allons prendre la partie arrière. Enlever la peau. Également, on va éviter de prendre le centre où il y a toutes les arêtes. Et également préparer des bandes. Nous allons commencer à couper le tartare en brunoise. La dorade. Le bar. Nous allons rajouter les 3 Saint-Jacques. La Saint-Jacques, c'est le seul produit qui n'est pas de la pêche locale. Mais dans la recette, elle sert de liant, un petit peu, pour donner une texture souple et un petit peu consistante au tartare. Nous allons couper un tout petit peu de ciboulette. Ajouter un demi-oignon, même un peu moins.
vraiment très très fin. Un petit peu de zeste de citron. Le jus de citron. Les œufs de truite. Bon, je mets des œufs de truite, ça amène un petit peu de craquant à la dégustation qui est fort agréable. On assaisonne. Poivre du moulin, huile d'olive, donc là on le garde, on le maintient au frigo. Pour l'instant, on va monter la crème au lait de coco et concombre. Le concombre, que l'on va couper en quatre. Et on va enlever un petit peu les pépins. Ensuite, on va couper en petits morceaux. Ajouter dans le lait de coco. On assaisonne, sel, poivre. Nous allons rajouter ...2 g de xanthane. Nous allons commencer à émulsionner. Voilà. Émulsion au lait de coco et concombre. Nous allons passer au dressage de l'assiette. Alors, ce sont des petites pousses d'herbes aromatiques au parfum de betterave et au parfum d'anis. La verte est une petite pousse légèrement anisée et la rouge est betterave. Donc, voici le tartare de poisson de la pêche locale. Une émulsion de lait de coco au concombre. Grâce à son expertise, Barton et Guestier garantit des vins de qualité et d'une grande régularité, millésime après millésime. Les vins de Côte-du-Rhône de Barton et Guestier sont des vins plaisir. Équilibré avec des notes de cerises noires et de cassis, ce vin sera le compagnon idéal du tartare de poisson de la pêche locale, crème émulsionnée au lait de coco et concombre. Un nez très, très puissant en syrah. Et en bouche, il est très, 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 très expressif au niveau du grenache.